T'inquiète, Aude, c'est le froid, ça grille les neurones. Tu sais, même moi, le froid, ça va plus dans ma tête, hein. Je commence à danser sur ma terrasse avec mon balai et mes lapins qui sont en train de me regarder. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Fait tellement froid, je me caille. J'en peux plus. En fait, la Belgique, c'est ou bien on crève de chaud, ou bien on se les caille. Voilà, c'est ça le résumé de notre vie, en fait, en Belgique, hein. Tu reconnais la musique version 2020. Coucou, écoute, tu réponds à ton rôle.
Salut à tous. À tous. Qui est pas ça encore? Cette manette, elle peut jamais marcher du premier coup, hein. Vraiment toujours que ça me casse les pieds. Bon. Il n'y a plus Patrick et Mr. Krabs. Ah, il y a des trucs dans la boutique. Quoi dépenser nos kudos? Ok, épreuve contre un monde culbutarbre. Je m'en doutais que ça allait être ça. Bon, demain il y a peut-être un nouveau mode qui sort. Espérons que ça soit un bon mode parce que on n'en peut plus de la solo. Ah ben non! Putain que c'était chaud banane.
ticket de retard. J'adore l'embêter. Bon, j'ai failli crevetter un mois. C'était chaud, c'était chaud. Le truc des énigmes, vraiment, en solo, c'est un enfer sur Terre, ce truc. Faut qu'ils bannissent ça de ce mode. Hein. Ça va plus. Ah, rip, mec. En même temps, faut être con d'aller te foutre sur le bord. Hein. C'est pas comme si les autres copains sur Fall Guys étaient gentils et qu'ils allaient pas oser te grab. Ben non, ils feraient pas ça, te tueux, dis. Toi, je te saute sur le crâne parce que j'ai envie. C'est un enfer, hein, celle-là aussi. Moi, je vais plutôt par là. On va pas se compliquer la vie si on peut passer par en bas. J'ai failli y passer, hein. Mais arrête-toi, insupportable. Oh, ils sont... C'est qui, lui? Touch quelque chose. Alors toi, je t'ai dans ma ligne de mire. Quelle affaire. Sinon, depuis hier, t'es beaucoup sur Jurassic World Evolution, non? T'es motivé, là, hein, depuis hier? Je viens juste de le démarrer. Ah, je pensais que t'avais joué hier déjà aussi. Oh non, pas ça! Les fruits en folie. Je suis pas prête mentalement pour ce genre de map. C'est ma première game, s'il vous plaît. Ouf, ça caille. Hein. Je me caille, mais à un point... J'ai vu que ma mère m'a rajouté une couverture. Merci, maman! Ah. Pas si je fais bien de pas prendre le marteau ou pas. Aïe! Mais non! D'où elle vient cette pastèque de derrière là? Oh, mais je passerai pas. Bah non. Le pire, c'est que je fais même pas d'erreur en soi. J'adore ma vie. En fait, faut que je prenne le marteau, j'ai pas le temps d'y aller sans marteau en fait. On se les caille, 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 on se les caille. Y'a quoi comme défi? Termine des défis quotidiens, d'accord, très bien. Il me manque combien de topins? 19, 20, 21 topins pour le chevalier. Pff, moi j'ai froid. J'y avais porté plainte à la météo pour parce qu'il fait trop froid. C'est bien ça, non? Ah.
Échouer son peignoir par son chat quand même, j'adore. Ah, Billy, je sais pas ce qu'il a foutu. D'un coup, je le vois couché sur le tapis, je vois qu'il mordit sur un truc. Je dis, qu'est-ce qu'il a encore trouvé? Donc, je vais voir et tout, je lui dis, crash, il recrache, et je vois son ongle. Je fais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, c'est pas vrai. Je dis, c'est pas possible. Non, je l'aurai pas. Ça commence mal. Mais je crois que les trucs sont en bas, ouais. J'aime pas ça, moi, par contre, hein. Venir en bas, ça m'énerve déjà. Ah ouais, non, je peux pas. Oh, c'est une catastrophe. J'aime pas du tout ce pattern. On change? C'est compliqué. Et je fais le premier temps avec ça. Oh putain. On est éclatés tous, hein. D'accord. On va essayer par en dessous. On va voir ce que ça donne. Aïe! Mais retard la fin. Plus 4 secondes. Ah ouais, non. C'est pas une bonne idée finalement par en dessous. Oui, mais bon, parfois ils ont l'air tellement bien qu'on n'a pas envie de les déranger, hein. Qu'est-ce que tu veux? On est trop bon, hein, avec eux. Qu'est-ce que tu veux? Ils le savent, hein. Tu Mais pourquoi? Oh, mais j'y vois rien! Oh, ça va être compliqué cette histoire. Je me retrouve dernière. J'aime pas du tout ce pattern de. Arrête de me coller, toi, dégage! Oh, j'ai pas. Décidément, ça commence mal ce live, hein. Casse-toi, la licorne. Non, j'arrive pas. Oh. M'énerve ce pattern, j'aime pas. On se les caille, on se les caille, on se les caille.
On se les caille, caille, caille. On se les caille, caille, caille. C'est bien comme chanson, non? Je trouve. Faut que je me retrouve une série parce que bon, celle que j'ai trouvée hier soir, c'était pas transcendant, hein, je m'en doutais. Mais je me dis, bon, je vais tester, ça va casser les couilles après 2 épisodes. Ah, Mr. Krabs, tu vois, comment tu vas? Tu me fais une petite salade de crabe, Mr. Krabs? J'ai envie d'une salade de crabe. Je croirais dans la ville de Bruxelles en plein embouteillage, c'est bon. Bah ouais, mais je veux trop. On me gêne. Oh. Attention, je vais me faire grab 100%. Ah, je sais pas. Mais le Cora, c'est piège, hein, c'est grand. Hein. Et puis quand tu connais pas où sont les trucs, quand tu vas pas souvent, tu sais, tu connais pas les rayons par cœur, donc tu dis ah c'est là, puis tu perds du temps, tu vas dans ce rayon-là, finalement c'est pas là, c'était dans un autre rayon. Du coup, c'est piège, hein, ce magasin. Ça fait longtemps que j'ai pas été d'ailleurs. Moi, je pense pas que c'est moins cher que des Colruyt et des Carrefour, le Coca. Ah, le Coca. Le Cora plutôt. Là où je sais que j'aurais pu aller, ça c'est macro, c'est sûr. Je pensais que ça allait être intéressant pour certains trucs pour acheter en gros. Enfin, en grand. Mais en fait, c'est pour les bourges, c'est hyper cher. Tu peux acheter du saucisson en grand, mais 50 balles le saucisson, ah voilà quoi. Je suis pas saucinière, moi, il me faut pas tout un truc comme ça, il n'y avait pas en plus petit quoi. C'était en gros, gros, mais trop en gros, tu vois, il faut qu'ils arrivent à doser aussi, parce que 50 balles le saucisson, ouais, j'en ai pour un an de saucisson, mais bon quand même quoi. Bah moi à ta place j'aurais déjà mangé, moi j'attends pas. Hein. Rien à foutre. Nous on n'est pas comme ça. Et chacun il mange à l'heure qu'il veut, on s'attend pas, nous. Hein. Rien à faire. Enfin, surtout pas à midi, quoi, parce qu'à midi, chacun mange un truc différent. Donc. Moi j'ai mangé mes ailes de poulet au barbecue avec 2-3 rostis, c'était bon. Bon, je me suis fait engueuler parce que j'ai utilisé la friteuse, mais c'est pas grave, j'ai bien mangé quand même. C'est ce qui compte. Bon, mon estomac est content. Là, mon père était déjà occupé à se parler à lui-même. Qu'est-ce que je vais encore faire à manger? Ils aiment rien dans cette maison. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Ils sont jamais contents. Qu'est-ce que je vais faire? J'y fais des pâtes. Tout le monde aime les pâtes. Oh, toi et tes pâtes. J'ai dit, ok, j'ai rien dit. Tu me demandes mon avis et après je me fais engueuler parce que je donne mon avis. Honteux. Ah ben je passe pas 2 heures aux courses non plus, j'ai pas la santé pour. Mais le Colruyt, je le connais par cœur, donc il y a des rayons que je skip parce que je sais qu'il y a rien que je vais prendre dans ce rayon, tu vois. Non mais tu dis que moi je suis difficile, ma soeur c'est 2 fois pire, hein. Mon père il va péter un câble avec elle. Parce que moi quand il y a des trucs, je dis ouais j'aime pas trop, j'aime moins, mais je mange quand même et je finis mon assiette quand même. Même si c'est pas le truc que je kiffe le plus au monde, je vais quand même le manger. Ma sœur, non. Elle dit, oh, je veux pas ça, je mangerai une tartine. Hein.
problème, c'est que presque toutes les viandes, elle aime pas. En légumes, elle aime que des brocolis. Donc, mon père, il veut bien lui faire plaisir, mais on va pas bouffer tous les jours du brocoli. On va tourner en brocoli, hein. Elle aime pas la purée. Elle aime pas les légumes. Elle aime pas les viandes. Tout ce qu'elle veut bouffer, elle, c'est tacos. Et des touroux. Tacos, bah, j'aime le brocoli, mais ça me dérange pas d'en manger 2-3 fois par semaine, même du brocoli. Mais si c'est fait de différentes façons, s'il fait toujours le brocoli de la même façon, c'est comme les pâtes. Je vais pas manger 3 fois par semaine des pâtes bolo, sinon je vais en avoir marre aussi. T'as plusieurs recettes, t'es pas obligé tout le temps faire les mêmes recettes. Puis moi, le brocoli, ben, je suis pas fan, mais j'en mange quand même. J'aime bien le chou-fleur aussi, mais du coup, ça, elle aime pas. C'est quasiment la même chose, sauf que ben, le brocoli, c'est vert, et le chou-fleur, c'est blanc, et le chou-fleur, elle aime pas. Moi, j'adore le chou-fleur aussi. Donc, ça fait, je crois, 2 ans, j'ai pas mangé de chou-fleur. On bouffe que du brocoli, en fait. C'est... Mais j'aime bien, genre, par exemple, de temps en temps, le brocoli ou le chou-fleur, tu sais, au four avec une petite sauce. Au four gratiné, c'est bon, tu vois. Bon, par contre, si tu me fais du brocoli ou du chou-fleur sans sauce sec, comme ça, je te le bouffe pas. Hein, c'est dégueulasse. Hein. Moi, j'ai besoin d'avoir une petite sauce avec quand même, ou sinon, ça passe pas. Hein. Let's go! Changer d'habitude. Bah ouais, tu sais faire du chou-fleur sans sauce, vu que t'es origine. Tu sais faire du chou-fleur au four. Ouais, tu sais faire du chou-fleur. Hein. Il y en a même, ils aiment bien du broco mais du brocoli dans les pâtes, tu sais, pour faire une salade de pâtes avec du brocoli, mais je suis pas fan. Mais c'est pas que c'est sec, c'est cuit, mais sans sauce, du coup, pour moi, ça a pas de goût, quoi. C'est pas très bon. Enfin, j'aime pas trop. Oui, je sais. Et puis, nous, le problème, c'est pas en soi nos repas qu'on mange, que ce soit midi ou soir. C'est juste qu'on grignote trop la journée ou que on mange trop riche parfois et comme on bouge pas, je suis sûr que si toi et moi on bosserait, ben, on ferait peut-être 20 kilos de moins ou 10 kilos de moins au moins, tu vois. Le médecin, il me l'a dit aussi, hein. Ouais, tu pourrais faire un régime, manger des carottes toute la journée, ça va pas te faire maigrir, hein, vu que tu bouges pas, donc ça sert à rien. Il me l'a dit lui-même. Pour une fois qu'il est utile à quelque chose, il l'a dit devant ma mère en plus. J'y sais bien, dis-lui, comme ça elle comprend. Sais, moi je vais pas bouffer des carottes râpées et des salades toute la journée pour au final même pas maigrir et même pas avoir de résultats. Hein. Il faut arrêter à un moment donné. Faut juste éviter de grignoter la journée, mais bon, moi je suis désolée. Je mange des petites quantités, tu vois. Donc forcément, à midi. Vers 16h, j'ai un creux, tu vois, je suis obligée de manger quelque chose, donc qu'est-ce que je fais ces derniers temps? Enfin, j'essaie de manger une tartine au jambon, tu vois, un truc pas trop, pas tout le temps des chips ou des biscuits au sucre ou des trucs comme ça. Ben ouais, c'est compliqué parce que on a tous parfois envie de manger un paquet de chips ou un truc un peu plus gourmand, hein. Ceux qui disent, moi, je mange jamais des biscuits et des trucs gourmands, c'est des gros mythos. Hein. Je suis encore coincé dans le tuyau, mais c'est incroyable. Hein. Oui, bah disons qu'on doit faire plus attention. Après, toi, maintenant, tu vas être obligé de reprendre le travail parce que, vu qu'ils t'ont remis au chômage, si le chômage voit que tu cherches pas du travail, que tu fais pas des efforts pour trouver un boulot, tu vas perdre ton chômage aussi. Donc tu sais pas rester au chômage indéfiniment. Donc toi, la chance que t'as, c'est que quand tu vas reprendre le boulot, bah, je pense que tu vas perdre du poids aussi parce que tu vas de nouveau être en mouvement. Balle de l'Atlantide. On est 11, ils pouvaient pas nous mettre la finale, sérieusement?
Oui, mais même quand tu es au travail, tu penses moins à grignoter, tu penses moins à manger un truc, à grignoter des trucs et tout. Donc forcément, tu vas moins grignoter, etc. T'auras pas le temps. Au boulot, t'as pas le temps de grignoter. C'est pas comme si t'avais 10 pauses non plus. Donc je pense que ça va quand même t'aider, ou au moins rester stable niveau poids, tu vois. Oh, Zivania, ça va vite, Sivava, c'est passé. C'était compliqué là. Oh, j'en ai fait tomber un. Fier de moi. Il y en a, ils sont cons. Ils voient que je veux jeter la balle et ils me la laissent pas la jeter. Débile profond, va. Genre, ça l'a pas éjecté. Ça est dur, hein. On va pas tous tomber, hein. C'est impossible, hein. Oh putain, j'ai failli le faire tomber. Oh, dégoûté. Patricia, oh non, pas maintenant. Putain, elle veut venir faire mon injection maintenant, fais chier. Ouais, mais j'ai la flemme de descendre à chaque fois, c'est bon. Je lui ai demandé si vers 17h30 c'est pas bon, que j'étais occupé pour le boulot sur l'ordi. On va tous crever au fait. Non. Ah, c'est bon. Je verrai bien ce qu'elle me dit. Si elle dit que ce soir à 17h30, ça va pas, ben ce sera maintenant, tant pis, mais. Merci pour ton follow, bienvenue à toi, comment tu vas? Merde. Ouais, bah laisse-moi faire ma finale au moins. Ah, tant mieux si ça va.
dur, dur, dur. Oh, putain! Mais what? D'accord, mais ça m'énerve parce que du coup elle m'attend et je vais me dépêcher parce que je veux pas qu'elle attende l'infirmière, mais putain, me casse le cul pour arriver en finale, faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui me fait chier. J'ai peut-être gagné, mais je suis pas sûre. Ouh, celle-là, elle est jolie, hein. Celle-là, elle est jolie, jolie, hein. Bon, je reviens, j'ai un petit truc à régler. Si là tu me dis que t'as pas de shorts pour demain, je te tue.
Re. Oh putain, elle m'a raté. J'ai mal. J'ai mal. Oh l'enfer, ça pique. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal, ça pique encore maintenant. Ah, c'est un enfer. Je sais pas comment elle a fait son compte. D'habitude, elle fait jamais mal, elle, mais là, oh. Mais c'est le produit qui brûle aussi, hein. Ah. Quelle affaire! Oh, en plus, mon père, il se fout de ma gueule. Il voit que je tire une drôle de tête, donc il se doute qu'elle m'a fait mal, quoi. Je le vois rigoler avec ce sourire sur sa tête. Il est pas sympa. Il se fout de ma gueule. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, mais là, je peux même pas toucher à l'endroit. Elle m'a. Ça m'a défoncé ma mère. Ça a passé, hein, mais. Mais là, d'habitude, c'est juste le produit qui brûle. Mais là, j'ai même eu mal quand elle a injecté l'aiguille. Donc, je pense qu'elle a peut-être un peu mal piqué ou je sais pas. Oh là là, l'enfer. J'ai eu du mal, hein. Parce qu'ils doivent injecter ça lentement. Et ça me brûlait tellement que j'ai cru que j'allais devoir lui dire de retirer l'aiguille, quoi, parce que j'avais trop mal. Mais du coup, j'ai pris sur moi, j'ai serré les dents. Ouf! Que je me suis dit, bah, si elle retire, elle doit recommencer, tu vois. J'ai pas envie de recommencer non plus. Je crois que je préfère encore les prises de sang que ça, en vrai. Ah, oh, ça fait mal. En plus, je dois retéléphoner au médecin parce que j'ai plus d'ampoule et je dois avoir un papier de prolongement pour l'infirmière aussi. Oh. Je vais devoir encore aller chercher ça sur place, le papier de l'infirmière. Ça, c'est chiant. Parce que bon, les ampoules, il peut les mettre directement sans que je vais sur place. Il peut directement mettre des médicaments sur la carte d'identité. Maintenant, c'est pratique. Mais bon, pour un papier, bah, faut que j'aille sur place, quoi. Ça me fait un petit peu chier. Et j'ai pas envie de voir sa gueule. Il va encore me dire, t'as grossi, mets-toi sur la balance. Mais que ta mère, sinon tu as grossi. Toi aussi tu as grossi, cher. Ouf! Là, j'ai perdu du temps, je pensais qu'il y avait une bouboule ici, au fait. Bah 18 ça va mais je suis sûr que je peux faire plus rapide. Oh ça m'a défoncé ma mère. Hein. Et pourtant je suis pas douillette mais là j'ai mal. Ah très bien Aurélie ça, bravo. Merde, j'ai raté la boule, j'en peux plus. J'en peux plus de moi. Non! Oh, Vichy. Bon ben, 16. Ça, c'est un bon temps aussi, bah, clip, ça, 16. Je sais pas si je peux peut-être faire encore mieux, hein, je sais pas. Mais pourquoi je glisse là? Je comprends pas.
Oh, mais cassez-vous! Le mec, il reste en plein milieu du truc pour faire chier, quoi. Oh, j'ai failli tomber. Ah, va falloir que je vais en bas, j'ai pas le timing des troncs. Oh, j'irai pas plus vite, c'est j'ai pas le bon timing des troncs et du coup ça me ralentit, c'est chiant. Salut Coutance, bienvenue à toi, comment tu vas? Ben moi ça va bien, merci. Aïe. Bon, de toute façon, j'aurais pas le temps de finir, mais bon. Le best skin. J'aurais dû reprendre une canette d'Ice Tea avec, elle est déjà vide. C'est problématique. Merci pour ton follow. Allez, go ce salé sucré en émission MMR. Si je touche là où elle a piqué, ça me... Elle m'a vraiment bien loupé, hein, en tout cas. Purée. Oh non, pas ça! Tout sauf ça. Tu joues beaucoup à Fall Guys tous les jours. Même quand je live pas. Du coup. Ouais, non, tous les jours, tous les jours. Je joue tous les jours. Le soir? Non. Ben si, mais du coup, je live pas le soir, donc non, je joue le soir, je joue tout seul, je tryhard le soir en général. Je crois que c'est là. Oh mais ça c'est vraiment chiant. Bah ouais, je suis bloqué dans le toboggan. Putain, j'étais dans les premiers quoi, le seum. Bah ouais, je sais pas c'est par où en fait. Du coup, je ne passerai pas. Bah ouais. Putain, je suis dans les premiers, je me fais keblo. Horrible cette map. Ta-da-da-da-da-da.
Ah ouais, non, les tournois, moi, je suis pas fan. J'évite. J'aime pas jouer en partie privée, moi. Je préfère jouer et gagner mes couronnes. Les tournois, ça m'énerve trop vite. C'est ça le problème. Ah. Go faire du toboggan. Go arrêter de me pousser, sinon. Ça marche, merci. Bah, je peux pas faire des miracles, mais on peut essayer. Ça dépend de ton niveau, parce que bon. Ah là 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 là. C'est pas faux. Je voulais pas le dire, mais c'est pas faux. Tu l'as dit, ça. C'est pas moi qui l'ai dit. En même temps, toi, tu joues quasi jamais. On peut pas s'améliorer à quelque chose si on joue jamais ou si on s'entraîne jamais. Moi, je fais des trucs bizarres, je sais, mais j'ai mal. Oh! Quelle affaire. Je vais avoir mal à mon côté, moi, tout le reste de la soirée. Génial, j'adore ma vie, moi. Je savais que c'était pas le bon jour pour la piqûre. Ou qu'elle il fallait qu'elle vienne vers 17h30. C'était pas la bonne heure, là. D'accord, je me re... Oh là là, le jeu me respecte pas. Je me fais pousser dans tous les sens, je peux même pas aller où je veux. On se calme sinon? Des histoires au Cora. Comment ça, elle s'est embrouillée avec quelqu'un ou quoi? Ah, mais ils viennent demain pour le frigo. Il y a intérêt que ça soit réglé, qu'ils nous envoient un nouveau frigo. Ils font ce qu'ils veulent, mais qu'ils règlent le problème parce que là, ça fait un mois que ça dure, ça devient ridicule. Hein. C'est bon, hein. À un moment donné. Puis je vais faire mes courses, moi, merde! Je peux même pas aller faire mes courses parce qu'il n'y a pas de place dans le frigo. Bon rangement. T'as acheté quoi? Tu nous as acheté quoi de bon?
Cassez-vous. Merde à la fin. Oh, il m'a volé mes trucs. Honteux. Par contre, je suis dans la merde, moi. Oh, mais là, c'est du vol. Oh, ça va le faire. Touche pas à ma faute. Alors là, j'aurais rien compris. Touche pas à ma bouffe, peut-être. Ouais. Ça me paraît plus cohérent, mais à ma faute, là, je vois pas. Il y a Chester dans la game, ok. Le reste, ça me dit rien. J'avais compris. Je dis, c'est bien, pas possible. Ah, oh, génial, map de merde. Bah oui, vu qu'ils sont débiles, ils ont appuyé sur le bouton parce qu'ils sont cons comme jamais. Allez, appuyez sur le bouton, merde! Oh, ils sont casse-couilles! Oh là là! Le Chester, il est fort. Hein. Je le sais, je le sais, je le sais. Map de merde, finale de merde, jeu de merde, tout c'est de la merde. Je voulais pas du tout envoyer ma... Oh ! Saloperie ! Dégage !
J'arrive pas à jeter ma balle comme je le voudrais, c'est bizarre. Ouais, bah là je vais y passer, hein, bah ouais. Map de merde! Par contre, je fais pas que du duo, hein. Je fais l'épreuve contre la montre et du solo aussi, donc on fera un peu de tout. Oh. J'en ai trop. J'ai mal. J'ai trop mal. D'accord, le jeu. Très bien. Ah, mais je prends tellement cher. Il y a moyen de se calmer sinon. Suis pas venu là pour souffrir, ok? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Le jeu, il veut pas, hein. Il veut pas que je me qualifie. Genre, c'est... Aïe! Horrible. Je me suis pris tout ce que je pouvais me prendre dans la tronche, je me suis pris dans la tronche, hein. Qualification et dans la qualification et dans la joueuse belge. C'est passé. Allez, une bonne map. Oui, ça va. Ça me va, ça. J'adore faire du toboggan. Ça, ma mère, elle est contente d'avoir au minimum ses 5 parfums qu'elle pourra prendre avec. Bon, elle en voulait plus, mais je peux pas faire des miracles, moi. Je vais pas commander pour 300 balles. Pas abuser non plus. Déjà, j'en ai pour 200 balles. D'accord. J'ai loupé mon cerceau. Très bien. Bonjour. Ah, t'as acheté Patrick? Moi aussi, je voulais Patrick, mais il coûtait trop cher.
Ah, ça c'était raté. J'ai tout vu. Quelle élégance. Allez, Ellie, premier en plus. Kelly qui m'envoie ce matin. Ah, mais t'as fait une commande de 160 points. Mais tu vas avoir tes 600 points ce mois-ci. Ouais, peut-être pas. Enfin, je veux bien être optimiste, hein, Kelly, mais j'ai personne dans mon équipe à part une personne et elle passe jamais de commande. Oui, mais la TikTokeuse, elle s'inscrit aujourd'hui. Je vais la mettre en dessous de toi, vu qu'on a discuté hier, que t'es quand même motivé à continuer. Donc, elle va te faire décoller et tout. Ouais, ok. J'attends de voir, en fait. Parce que ça fait un mois qu'elle me dit que la TikTokeuse, elle va s'inscrire. Elle s'est toujours pas inscrite, tu vois. Donc. Bon, celle-là, ça reste délicat. Ouais, wait and see, comme tu dis. Après, je vais essayer de reprendre les recrutements, hein, et de me remotiver, hein, parce que en soi, quand tu vois notre situation médicale, etc., ce genre de job de la maison, c'est vraiment l'idéal pour nous. Mais c'est vrai que parfois c'est démotivant parce que j'ai l'impression de travailler. Parfois j'étais tout le temps, t'as bien vu, même quand on allait au resto, je répondais à mes messages et tout, j'avais l'impression d'être plus que occupée avec ça. Et limite de faire des journées de 8-10 heures, alors que je suis censée être à la mutuelle quand même, tu vois. Puis je dis, j'ai d'autres trucs à côté, j'ai mes streams, j'ai les lapins. En fait, il faut que j'arrive à m'organiser pour pouvoir tout faire, mais sans me mettre la pression et sans que ça me stresse et que ça joue sur ma santé, au fait. Parce que. Aïe! Dégage, toi! Oui, mais il n'y a pas compter ses heures et être trop dans le trop. Il faut réussir à. Quand tu bosses, c'est ce que je discutais hier avec Kelly. Quand tu bosses, tu fais tes stories et tout, c'est bien. Mais il faut les faire correctement. Il faut réfléchir comment faire les choses. Parce que si tu t'éparpilles et que pendant une heure, tu es occupé, tu envoies des messages, tu fais des stories, tu fais tout à la fois, faut savoir doser, quoi. Faire ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure. C'est juste ça que je veux dire. Mais je vais me faire le compte sur le truc qu'elle m'a dit. Parce que la carte Revolut, ça peut être intéressant parce que techniquement, j'ai plus les autorisations de la mutuelle pour faire ce que je fais. Mais elle m'a dit, si je me fais payer sur cette carte Revolut-là, ils n'ont pas accès à ce genre de compte. Et du coup, ils peuvent pas voir sur ce compte que tu gagnes de l'argent et tout. C'est comme ça qu'elle fait, parce que ça fait 3 ans qu'elle est au chômage. Et techniquement, au chômage, tu peux pas gagner des sous comme ça.
en tant qu'indépendant, entre guillemets, derrière leur dos, tu vois, tu peux pas. Donc elle, ça fait 3 ans qu'elle fait venir tout sur ce compte-là. D'ailleurs, ses vacances, 5 000 balles, elle se les paye comme ça aussi avec cette carte-là. Et le chômage n'a jamais rien vu, tu vois. Donc je vais me créer ce compte et tu payes 6-7 euros pour avoir la carte chez toi à maison et tu peux payer avec cette carte partout, dans les magasins, en ligne, tu peux faire tout avec. Mais arrêtez de me grab! Donc c'est hyper intéressant comme carte, mais je dois juste créer mon compte, je l'ai pas encore fait. Et comme ça, ben, je peux le faire sans que la mutuelle le sait forcément, et puis je dois pas forcément me déclarer direct, tu vois. Bon après, si un jour je gagne 10 000 balles par mois, là faut te déclarer, tu vois, ça me paraît logique, mais là c'est pas encore intéressant. Je connais de nom. Ben, ça s'appelle Revolut, hein. Tu tapes carte Revolut, tu tapes sur Google et t'as toutes les infos. Et en fait, l'État n'a pas accès à ce compte-là, donc ils savent pas voir combien tu gagnes sur ce compte-là, etc. Donc c'est hyper intéressant pour moi, et même pour des autres personnes normales, hein, qui veulent gagner un petit peu de sous en plus sans que l'État soit directement au courant, quoi. Merci pour ton follow, bienvenue à toi, comment tu vas? Il est où le pingouin? Ah là. Oh, mais lâche-moi! Insupportable. Mais what? Bon, ça devrait être bon. Salut, comment tu vas? Les jeux d'équipe, c'est toujours un plaisir. Ben moi, ça va bien, merci. Encore un jeu en équipe? Crotte! Quelle affaire! J'ai un petit problème pour Fall Guys. Oula! Quel genre de petit problème? Il va me dire, j'arrive pas à faire mon défi en duo. Je suis sûr. On n'a pas de queue. Merde. Viens ici, petit homme vert. Putain, mais il y a quasi pas de monde. Ils sont où les gens sur cette map? Toi, t'es con. What? Mais il est à 1 mètre de moi, viens ici. Mais rendez-moi ma queue. Aïe, sérieusement. Eh, il m'énerve lui, hein. What? C'est pas moi qui l'ai! Mais arrêtez! Ouais, ben on est mort.
Ah oui, ça, je pourrais pas t'aider. C'est sûrement un bug. Il faudra contacter le support, malheureusement. Le support, l'assistance technique du jeu. Bah de rien, bah j'ai déjà dû les contacter aussi pour des problèmes. Hein, donc... Et puis on n'est pas. Je suis pas sur Switch, moi, donc c'est plus compliqué de t'aider. Oh, merde. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Mais il nous empêche de passer! Fait de la merde. Mais casse-toi. Mais je... Ils sont encore toujours bloqués là, les rhinos, hein, c'est incroyable. Je perds du temps, mais c'est incroyable. Oh, ça m'énerve. Tintintintin. Thank you.
Là, c'est mieux. Bah, quelle affaire. Une fois tenté un truc. Oui! Pas sûr que ça m'a accéléré, hein, mais bon. Non, même pas. Bienvenue au stream Runners. D'accord, très bien le jeu. Hop, on gère, on gère, on gère. Oula, celle-là c'est pas simple, en solo ça va aller vite. Hein. Non! Oh, fais chier! Bah ouais, je peux rien faire, il y a trop de monde. C'est un enfer. Je pense pas que je vais passer. Oh, ça pique. Oh, je sais pas ce qu'elle m'a fait ni comment elle m'a piqué, mais ça me défonce. Ça fait mal.
Oh non, les rhinos, fais chier. Y a pas quelqu'un qui veut la faire à ma place, celle-là? Gentil bébé. Gentil petit rhino. Ça me rend fou. Mais regarde les tournants qu'il fait et tout pour me choper, saloperie. Non! Oui! Oh! Je vois pas le troisième! Ah! Quelle merde! Oh putain, je me suis qualifié. Quel enfer cette map. Ah, j'en peux plus. C'est pas bon pour ma tachycardie, ça. Il y a mon pacemaker qui va sauter. Ah non. Sinon, ils en ont pas marre de mettre des maps de merde. Ça pique. Ça fait bobo. Ben voilà, rip. Jeu de merde. Jeu de merde. Croque monsieur, c'est bon les croque monsieur, mais j'en ai mangé à 2 jours donc j'avais envie de goûter mes rostis. Et je me suis dit, bah, les rostis, comme j'avais pris un paquet d'ailes de poulet là au barbecue, au Carrefour, je me suis dit, ça peut bien aller, ça, avec 2-3 rostis, ça passe crème, c'était bon. Oh non! L'enfer des énigmes, pas cette map-là. Pourquoi moi? Mais j'y vois rien, je vois pas la ligne. Oh, c'est vraiment de la merde. Bougez-vous! Mais c'est insupportable! Je sais pas c'est par où! Bon bah allez, au pif! Bah non, c'était pas ça.
J'y voyais rien. Tu peux, il y a tellement de monde sur cette map. Ils mettent ça à 40. Il y a tellement de monde qui marche sur la map que tu vois pas les lignes. C'est n'importe quoi. Bon, j'en avais déjà sûrement mangé, mais c'est juste que je connaissais pas de nom. Mais ça me disait quelque chose, c'est pour ça que je les ai pris au resto. Je me dis, tiens, ça a l'air bon, ça je connais, on dirait, donc je vais en prendre un ou deux, tu vois. Oh, fais chier, demain, moins 3. Dimanche moins 2, lundi moins 4, mardi moins 5. Putain, je vais m'amuser avec les biberons de lapin là. Moins 5, ça va pas tenir, ça va geler. Déjà moins 3, moins 4, les bouteilles elles vont geler 100%. Ah, le moins 5, il va piquer. Hein. Déjà là, le moins 2. Enfin là, il y a marqué moins 1, mais ils avaient dit jusqu'à moins 2. Les biberons glaçants. Ouais, mais lapins, ils vont vouloir boire, les pauvres. Ils vont dire, mais il n'y a pas d'eau qui sort parce que l'eau est gelée, forcément. Quelle affaire. L'hiver, c'est vraiment une joie quand t'as un élevage de lapins. C'est vraiment la misère. C'est comme l'été, au fait. En vrai, quand tu résumes, c'est tout le temps la misère. Que ce soit l'hiver ou l'été, c'est la misère. Voilà. Aïe, d'accord, mais oui, mais toujours plus le jeu, bien sûr. Oh. Oh, ça m'apprendra à tourner la tête. J'ai tourné la tête. Oh, mais bon, bah, je passerai pas. Hein. C'est vraiment honteux. Oh, pourquoi je m'amuse encore? Pourquoi je m'inflige ça en solo? Je n'arrive à plus rien. Non, rien de rien. Non, j'arrive à rien. Bon, j'ai fait une game, j'ai fait top 1, et puis depuis rien, depuis je n'arrive à rien. C'est bien ça. Moi, sur ce mode-là, je me sens moins nul. Au moins faire le top 5 en général. En été, c'est le kiff. Ouais, bien sûr. C'est le kiff de faire deux pattes transpirer. Sous tes bras, c'est les chutes du Niagara, tu sais. Transpire de partout. Tu transpires à des endroits où t'es pas censé transpirer. Tu veux pas transpirer non plus. Mais ouais, c'est le kiff l'été, franchement. Ben, en été, c'est pas bon non plus parce que je dois changer l'eau deux fois aussi. Parce que sinon, l'eau, elle est trop chaude. Forcément. Quand il fait 40 degrés, l'eau, elle chauffe. Hein, forcément. C'est pas bon. En vrai, je m'amuse tout le temps, moi, tu sais. C'est toujours un plaisir. J'ai failli tomber. D'ailleurs, il va falloir penser à recommander des iSpots et à continuer à rassembler les iSpots parce que c'est pas avec 6 que je vais aller loin, moi, cet été. Par contre, je sais pas où je vais les mettre, hein. Après, peut-être qu'on sera déjà dans la maison ou peut-être pas encore, mais
C'est sûr que mon père, il va encore me casser les pieds tout l'été. Il n'y a plus de place dans mon congélo à cause de tes lapins de merde. Vingt-quatre ice spots, ça fait beaucoup quand même quand il pense. Hein. Putain, 24. Incroyable. Non! Mais j'en ai marre. Le jeu, il a décidé de m'énerver aujourd'hui. Mais oh, c'est incroyable. C'est vraiment ma journée encore. Oui, c'est sûr, mais ça reste quand même 24 high spots. Franchement, je sais pas comment je vais faire. Hein. Honnêtement, ça va être chaud dans mon congélo. Hein. Faut de la place pour la viande aussi. Y a pas que les lapins, tu vois, donc c'est compliqué. C'est mieux. Ils ont décidé de m'énerver. Les rhinos, soyez mignons, mignons. Non! Putain, mais c'est un sketch vivant, c'est pas possible. La poisse que j'ai, moi. J'avais fait plus rapide en plus. Pas possible d'avoir autant de poisse. Non! Ça me rend ouf. Faut que je recommence, je suis pas plus vite, je suis con, pourquoi je continue si je vois que je suis quand même pas plus vite, ça sert à rien. Foutu boule. De nouveau pas plus vite hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire, quoique 8-4 c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, je crois que ça va passer de justesse. Je l'ai eu. Cool. Légèrement en retard quand même, mais c'est bien, au moins tu l'as eu. Hein. Mieux vaut tard que jamais.
J'ai un petit creux. Ouais, non, peut-être pas, non, quand même pas. C'est pas parce que toi tu l'as reçu que maintenant que les autres l'ont reçu que maintenant aussi. Puis je connais YouTube, enfin je connais des youtubeurs qui disaient souvent que il y avait des problèmes tout le temps avec les notifs YouTube, qu'il y en a, ils la reçoivent, il y en a, ils la reçoivent des heures après. C'est comme ça, c'est YouTube. S'appelle des bugs. Magnifique. Ah, pourquoi mon live il bug? Mon panda il a du mal là, qu'est-ce qui se passe? Ça bug. D'accord, le jeu, très bien. Sinon, arrêtez de me... C'est horrible, hein. Regardez-moi ce monde. Bon, ben, je passerai sûrement pas, mais bon. Quand même. Quelle affaire. Allez hop. C'est bien quand ça se passe comme ça, tranquillement. RIP à tous ceux qui ne sont pas passés. Paix à votre âme. Tu manges quoi ce soir? Ah oui, ça aussi. Oh, les vaccins des lapins, il faudrait que je fasse venir le véto pour vacciner tout le monde. Parce que un par un, ça me casse les couilles. Il faut vraiment que je vaccine tout le monde d'un coup. Mais du coup, c'est qui doit encore avoir son vaccin?
Mais bon, 4 ou 5 vaccins, ça va être plus de 250 euros, ça. Faut les avoir aussi. C'est ça le problème. Mais pourquoi il a pas de dash, mon panda? Je ne l'aurais pas, c'est impossible cette map, c'est vraiment de la merde. Est l'heure de passer sur un autre jeu, ça m'a gonflé. Je reviens, je vais faire une petite pause sanitaire et une petite pause boisson. Just a grizzly little bear, so small and tame you hardly know I'm there. Till my slap suit ends you, then you'll know you missed a clue. You should know, you should know, you should know. I am just a grizzly little bear that built a cybernetic bear to share. As I dominate all of you and use it to wipe out your crew.
Re. Ouf. Au fait, je t'ai demandé ce que t'allais manger, tu m'as mis un vent. C'est honteux. Oh génial, je suis en... Père Noël dégueulasse. Enfin non, c'est pas un Père Noël, c'est un sapin. Ah, casse-croûte. Jolie cette musique. Il y a quoi comme défi? Scorpio, Scorpio! Oh ben à mon avis, il est pas là ou il s'est endormi sur mon live. Hein. Je parle dans le vide, comme d'habitude, j'adore ma vie. Génial. Honteux.
J'ai chaud, chaud, j'ai plus de vie, vie. Je suis nul. Ah ben quand même, il me dit je suis de retour sur mon PC. Donc ça fait 10 minutes que je cause tout seul dans le vide. Et là il me dit re. Vous me rendez fou, vous les mecs, c'est incroyable. C'est à devenir fou, quoi. Vraiment. Mais non, ça fait 10 minutes, je te dis, t'es là, t'es là, t'es là, tu réponds pas. J'en peux plus. Ah, bref, vous me fatiguez tous. La preuve, c'est j'ai eu le temps de faire une game Fortnite avant que tu reviennes. Ça fait 10 minutes, je te dis Scorpio, Scorpio, il n'y a personne qui me répond. N'importe quoi qui me dit. Du coup, je suis contente parce que je mange des macaronis. Ouais, on mange des macaronis ce soir. Non, 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 non. On mange des pâtes, c'est de la joie. On mange des pâtes, les pâtes, c'est de la joie. Ah, génial, mon skin, c'est un arbre dégueulasse. Peu con lui, hein. Bah, bref, c'était très sympa de parler dans le vide. En tout cas, j'adore. Il y a un petit loup ici. J'ai pas de shoot, hein. Quand je pense qu'il est nul à chier, il m'en met pas une parce que.
D'accord, lui, il a un coffre légendaire et il fouille pas le coffre légendaire. Vive les bottes, hein. Il y a un truc très intéressant qui s'appelle un sniper. Franchement, il est pas tout beau mon skin. Il a la classe. J'ai la classe en arme en arbre dégueulasse. Ouais, pourquoi je peux pas? Et du coup, pour la troisième fois, tu manges quoi ce soir? J'ai l'impression de me répéter, moi ici. Ça m'étonne pas. Coucou la cocotte, tu vas bien? Je dis pas non à tous ces trucs-là. Je crois que je vais même prendre le Medibrum parce que c'est plus rapide.
Du coup, American Horror Story, t'aimes pas non plus, toi, du coup? Ouais, moi non plus, j'ai jamais testé, hein, mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dit que je vais pas aimer. N'empêche qu'il faudrait que je trouve un nouveau truc à regarder pour passer le temps. Parce qu'après mon stream, j'ai plus rien à faire. Ah si, je vais faire l'atelier d'appel à 20h pour le boulot. Faut que je me remette dedans parce que bon, si je fous rien, ça peut pas aller non plus dans un sens. Non. Non, le ménage, c'est pas le truc préféré, quoi. Non. Je préfère encore regarder mon écran pendant 1 heure et me faire chier, alors. Oh, bah ça, t'oublies. Tard dans ma baraque, je le ferai quand ce sera nécessaire, mais pas comme ma mère tous les jours. Hors de question. Oubliez-moi. Elle m'a trop traumatisée de l'aspirateur depuis que je suis petite, j'en peux plus, là. Que des trucs de merde. What? Ah, il a un ballon. Oh, je vais en zone, autant se les laisser se fight, hein. Ah, il y en a un qui arrive là. Merde, il y en a un qui arrive là aussi. Oh, fais chier. Mais non!
Pompe de merde, ça tire pas assez vite. Quoi si, Brésil 0-0. J'avais mis quoi encore? Ah ouais, Brésil gagnant. Qui veut un petit peu de sauce Brésil pour ses frites? J'adore la sauce Brésil. Oui, je sais, j'ai vraiment une casse qui manque. Excusez-moi. C'est sûr. Allez, dans cette zone-là, tiens, c'est encore noir. When a man loves a woman, he can't keep her. Ça allait. Tout va bien. Ou le petit lance-roquette. Hein. Glou 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 glou. Pourquoi il aboie comme ça? Ah, c'est peut-être ma sœur qui est rentrée de l'école, ça. Pas loin. Mais grimpe à la fin, tu te dis, qu'est-ce qui t'arrive? T'as les jambes trop lourdes. Et ben, faut pas être claustro ici. Hein.
Vuma. How you doing? Bah viens. Mais tu veux pas qu'on soit copains? Bande de lâches. Salut la cocotte. Tu vas bien? Oh, c'est une cocotte violette. Ils sont fous dans ce jeu. Non, ils font même des poules violets. Je ne comprends pas. Hey, how you doing? Sorry we can't get through. Why don't you leave your name and your number and we'll get back to you. Eh, hey, j'ai dit que je voulais qu'on soit copains, méchant. Là, ils vont se tortiller la nouille encore longtemps. Allez, toi, t'es mort. Toi aussi. T'as le loup qui chasse une grenouille, ok. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, glou glou glou, donnez-moi tout ça. Oh. Why don't you leave your name and your number and we'll get back to you. C'est un peu trop loin. Scorpio, Scorpio, ça caille.
Ouais, là je suis obligée de la prendre, c'est en or. Je peux pas laisser ça. Ouais, c'est curieux, hein. Putain, je l'entends, il est tout près, mais je le vois pas. Puis bref, moi je suis bien dans mon buisson. J'ai fait l'école du buissonnage. C'est bien. Aïe. Oh putain, j'ai encore mal là où elle m'a piqué, c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas ce qu'elle a foutu, mais. Maltraitance. Ah, il y a un petit loup là. Bon, allez, on est sympa, on va le laisser, on va pas se faire découvrir, ça serait con. Ah, il y a un petit loup là aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du moonwalk ou quoi? Ouais, battez-vous, c'est bien. Moi, je suis bien dans mon buisson, démerdez-vous. Par contre, lui, il va me rouler dessus, je le sens. Je le savais, putain. Rendez-moi mon buisson. Merci pour ton follow, Nanu Pana. Bienvenue à toi. C'est quoi ça? Oh, j'ai cru que c'était un mec. Ouais, moi non plus, je pense qu'il parle pas notre langue. Là, ils vont se fighter là. Salut, merci pour les follow, bienvenue à tous. Oui, bah ça forcément que c'est Spanish, hein. Bon, je vais peut-être aller en zone quand même. Ça me tire dessus. Putain, il y a du monde de partout. Faut que j'aille en zone. Est-ce que je peux monter par là? Oh. Mec là-bas. Non, sur la glace, c'est hyper dur. Je lui en mets pas une, hein.
Quand même. Il va venir me jouer. Bah oui. C'est de la triche ton truc, mec. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon lance-roquette aussi. Je suis con. Ouais, mais si je lâche mon rate mon coup aussi. Putain! Ah, chier! Bon, ben, je crois que je vais arrêter là-dessus parce que ça me saoule. Et j'ai commencé à me caille, 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 caille. Bah oui, c'est ça, je me fais chier toute seule, quoi. Ah. Ah. Aïe. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, cette infirmière? Eh, je sais pas ce qu'elle a foutu à mon dos, mais. Oh. Bref, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Sinon, j'ai pris 5 follows aujourd'hui, j'ai pas compris, mais c'est bien. Zéro zéro, Brésil, Croatie. Pas foutu.